Salut tout le monde, c'est Largban, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Et là, je viens de voir en arrivant, du coup, c'est pour ça que je suis là sur les nouveautés, qu'on a Petit Coup de Main qui est vraiment très intéressant, et puis on a aussi un cosmétique, voir s'il est gratuit ou pas. Mais Petit Coup de Main qui va nous permettre, un défi vous pose problème, vos amis peuvent désormais vous prêter main forte grâce à l'aide de groupe. Donc peut-être qu'ils peuvent, du coup, comme ils disent, ils peuvent nous aider à faire les défis. Donc ça pourrait être cool parce que je suis pas tellement ouf et que les défis, élimination au pistolet, bon bah faut déjà un pistolet en plus, pistolet mitrailleur faut trouver et puis en même temps il faut pouvoir éliminer avec. Donc déjà j'élimine pas beaucoup de monde, mais en plus si je trouve pas du coup les armes, si j'ai pas les bonnes armes avec lesquelles, c'est pas les bonnes armes avec lesquelles je tue, ça le fait pas trop. Alors boutique d'objets, tenue, loup de mer, merde ça coûte un prix. Rien n'est gratuit, c'est vrai. Et j'ai que... Ouais, j'ai zéro. Là, pas croisé, j'ai zéro aussi pour ça. Zéro pour tout, quoi. Je ne peux rien prendre. Et si je regarde la boutique... 1000, ça coûte 9 euros, mais j'ai pas trop de sous. 500 V-Bucks plus 100 bonus. Ouais, bof. C'est... Et on voit les bonus partout, en fait. Je sais pas pourquoi ils mettent plus 100 bonus. Alors, du coup, on va pouvoir jouer en tout cas. Là, ok, j'avais personne qui m'avait invité. Alors, du coup, jouer, c'est parti. Peut-être que je vais essayer de rejoindre Matka, du coup, qui est en salon. Peut-être. Il est... je peux pas le rejoindre là. Bon, on verra plus tard si on peut. Alors, du coup, c'est parti en solo, comme d'hab. Et là, bon. Il y avait un commentaire, j'avais répondu à DJ Tocool au commentaire que j'affiche maintenant à l'écran, il y a un mois et quelques. J'ai répondu il y a un mois et quelques. Et j'avais juste oublié ce qu'il m'avait dit comme conseil sur Fortnite. Donc bon, désolé à toi mon pote. Et du coup, bah voilà, je vais l'appliquer parce que j'avais oublié ce qu'il m'avait dit alors que j'avais dit ok en réponse. Donc, je suis pas doué, oui, je suis pas doué. J'ai pas Alzheimer, non. Mais je suis juste pas doué. Voilà, c'est tout, je m'en rappelais plus. Donc voilà, maintenant je sais. En gros, pour ceux qui sont aussi nuls que moi, qui n'ont jamais joué à Fortnite et qui n'ont jamais regardé de vidéo quasiment sur la technique de Fortnite ou même sur Fortnite, dès que vous essayez de casser un... Putain, ça lag un peu. Ok, c'est normal. Dès que vous essayez de casser un bâtiment, donc je vais vous montrer... où est-ce qu'on peut descendre? En pleine ville là, du coup aussi c'est plus intéressant pour s'entraîner. Voilà, on saute là-bas. On va mourir dès le début sans doute, mais je pourrais vous montrer au moins comment on casse des constructions. Et puis de toute façon, je vais faire des ellipses à chaque mort pour le respawn. Comme ça, bah, je pourrais plus facilement enchaîner d'ailleurs. Et merde, je lag quand même. Et du coup, les morts vont pas, enfin les attentes vont pas trop gêner. Alors. Là, on... Ouais, non, on n'a pas de stuff là, juste avant. Par contre, là, on a du stuff devant, sans doute. Ok. Bon, bah déjà, il y a une connexion vraiment de merde. Vivement la fibre, je crois que je l'ai dans 2 semaines. Je suis pas sûr et certain. Je suis pas vraiment pas sûr et certain, donc... à espérer encore. Oh, j'ai réussi à aller dans le terrain. Waouh. En gros, là, vous cassez un truc, et là, il faut viser le point pour que ça aille 2 fois plus vite à casser. Voilà. Si vous visez le point à chaque fois, ça va 2 fois plus vite à casser. Enfin, 2 fois plus vite, ça c'est mon pote qui me l'a dit. C'est pas en commentaire, mais du coup, c'est censé aller 2 fois plus vite. On a bien une arme, ouais. On a une arme sur nous. On n'a pas... Si, on a... Ouais, bon, 23 briques. C'est 3 fois rien, en fait. 23 briques, c'est rien du tout. Et là, bon, là, en vrai, on s'en fout qu'on l'ouvre, qu'on le ferme. Il y a forcément des gens. Donc ils savent qu'il y a des gens là dans le coin. Ils vont pas se demander pour là-bas. Oh yes, parfait. C'est quoi ça? C'est un pistolet double, fusil à pompe tactique. Ok. Bon alors pistolet double. Peut-être qu'on doit faire des kills avec. On va juste prendre des arbres avant. Donc on va se casser un peu plus loin. Ouais. Parce que sinon ils vont nous voir. Donc bon, le but c'est pas de mourir dès le début, évidemment. Mais voilà, du coup on va prendre des construs. On va essayer d'en prendre un maximum quand même. Sans trop rester longtemps. Oh, on a du stuff ici sans doute. Ok.
Ok, bon, c'est un peu dur des fois de viser le point en fait, vu qu'en plus il change de. Je sais pas ça qui changeait de place à chaque fois. Donc, ouais, c'est un peu compliqué. Bon, du coup, on va pas l'avoir tout le temps. Ça va, il fait pas de bruit. Enfin, il fait pas de bruit, je croyais que la camionnette allait faire un bruit de. Bip comme les bagnoles en fait. Ah voilà, comme celle-là en fait. Mais bon, ça va. Je sais, vous vous demandez. Pourquoi tu te plains qu'elle fait un bruit de bip alors que là, t'es en train de casser une bagnole qui fait justement le bip? Ça n'a aucun sens. Piste... What? Ok, non, j'ai juste pris des munitions. Ça a juste pris des munitions. Et là, hop, voilà. Hop, alors là-bas, est-ce qu'il y a des gens? On n'est plus que 59. Ouais, il est possible qu'il y ait un mec là-bas, mais je... Il y a un mec là-bas, par contre. Là-bas. Ah. Ah, ah. Ok, on va faire gaffe, on va se casser un peu. Faut pas qu'il me voie. Voilà. Je crois qu'il m'a pas vu, là. Logiquement, mais peut-être qu'il y a un autre mec qui m'a vu. Et qui m'a suivi. Mais lui, il sait plus où je suis, sans doute. Ok. Voilà. Tac. Oh, mitrailleur. Ok. On peut... Oh, on peut un peu plus zoomer. Là-bas. Ah, non, ouais, déjà. C'est pas comme ça. C'est pas assez loin. Allez. C'est parfait. Il y a plus de construit, mais il s'est barré. Il s'est barré depuis le temps. Ok. Et là, on a des nouvelles construits, ouais, pour en avoir un max. Voilà. On en a pas mal en plus, juste, bah... En détruisant des petites planches. Il y en a beaucoup avec ces planches quand même. Il y a... C'est quoi ce truc là-bas? Attendez. Il y a... Je vais juste monter là-haut voir s'il n'y a pas d'autres armes. Mais j'ai envie de... Enfin, de voir ce que c'est quand même. Alors, bon, il n'y a pas grand-chose en plus. Donc, ouais, on va juste se... Voilà, c'est par là, je crois qu'il est. J'espère qu'il est bien là. Comme ça, on va pouvoir se casser ici. Voilà, parfait. Alors, c'est ici, effectivement. Et là, qu'est-ce que c'est que ça? E. Oh! Carte de rét... What? Ah oui, c'est un truc... Je crois que c'est comme dans Apex, en fait. On peut rétablir les gens là-dedans, mais je sais pas comment on fait. C'est quand il y a... On peut casser ce... Carte de rétablissement requise. Ouais, il faut... Bon. Ok, je vais peut-être me casser un peu. Ouais, je vais me casser, je vais me casser. Mais c'est un truc en team, ça. Donc, ouais, c'est normal que là, on puisse pas. Normalement, en tout cas. Parce que là, du coup, on est en solo. Ok. Je crois que... Non, ok. Oh! Si. Si, si, si. Le mec est dans le coin quand même. Le mec est dans le coin. Faut pas abuser, il est par là. Il a éliminé un mec au fusil à pompe comme ça en 2 secondes. Enfin en 2 secondes. Il l'a bien mitraillé. Si on passe par cette porte, il est où? Il est au niveau de quelle porte, ouais? Oh, coucou! Putain. Je sais pas au niveau de quelle porte il est. Il faut que, bon. Je suis obligé de rester comme ça en planquant. Sinon, je ne vais jamais y arriver. C'est sûr et certain. Déjà, même comme ça, je suis quasiment sûr de pas le tuer. Donc, si je vais le chercher, on sait pas. Vas-y. Je vais le chercher. C'est le mur, ça. Ça, ok. Il est peut-être derrière. Je sais pas où il va me chercher là du coup. Sachant qu'il est toujours dans le coin.
Logiquement, il est toujours dans le coin. On va reprendre cette arme. Ça, c'est bon, c'est le mien, mais voilà, dans l'idée, je ne sais pas où il est, donc je vise un peu partout. Voilà, je vise partout. Je vise partout, mais ça ne sert à rien. Oh, ça sert à rien du tout. Aïe, la zone. Et ouais, peut-être qu'il est dans le coin encore. Alors, on va prendre cette arme. Ouais, ok, nickel. Elle peut... Ouais, elle peut mitrailler aussi. Parfait. Bon, allez, go. Par contre, là, le sneak, il sert à rien. Voilà. Parce que je veux bien rester en sneak, mais bon, si ça me ralentit dès que je cours, ça sert pas à grand chose. Alors là, ouais, la petite ville là-bas. Oh, il y a le soleil qui va bientôt se faire engloutir par la vague. Putain. Rip la vague. Non. Bon, alors où est-ce qu'ils sont? Là. Oh. Merde, on peut pas monter. Ouais, on peut pas monter, faut pas chercher. Aïe, non, c'est bon. J'ai aucun dégât de chute. Il y a 34 joueurs encore. Là, ouais, il faut faire gaffe, on est en pleine ville. Oh, la texture n'a pas été chargée du tout pour le bus, quasiment. Enfin, du tout, elle a presque pas été chargée. Voilà, parfait. Merde, ça sert à rien. Putain, c'était appuyé contre un mur. Enfin, contre un bâtiment, ça sert à rien du coup. Alors. Ouais, hop. Ah merde, ils ont 9 aussi. Ok. Ils ont pareil, ça sert à rien du coup. Bon, par contre là, on a voilà, notre arme toujours. Et ouais, ok, on est toujours prêt à dégainer notre... Ouais. Notre parf. Ah merde. Ok, il faut remettre ça, voilà. Ouais. Parce que si je... Ok, putain, je fais n'importe quoi, je me balade sans faire gaffe. Y'a un mec. Y'a un mec dans le coin. C'est obligé. Je sais pas de quel côté, mais il est dans le coin. Coucou. Oui, je ferme et j'ouvre les portes, alors qu'il y a le mec pas très loin. Voilà. J'ai envie de l'attaquer, quoi. Ah, il se tape là-haut. Il se tape là-haut. Ok. Bon bah... Go attaquer si on peut. Voilà. Si on peut attaquer, pourquoi pas. Il est juste là-haut. Oh, il y a une porte. Aïe. Elle est peut-être en train de me protéger la porte, je sais pas. Oh! Il doit être en dessous. Ou alors là-haut. Si on ferme la porte, je sais pas ce que ça donne. Voilà. Pistolet. Oh! Pistolet. Au lieu du pistolet double. Est-ce qu'on va réussir à faire le kill avec? Aïe. Aïe aïe aïe, ouais, c'est pas con. Voilà, il faut se casser par là. Allez. Je pense qu'il va vouloir m'attaquer quand même. Mais faut filer ici. Aïe 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 aïe, ça sent vraiment très mal pour moi, qui suis en train de perdre toute ma vie et en plus, il y a des murs, non? Ok, c'est bon. Ok, y a plus de mur ici. Y a plus aucun mur. La maison. Tu me donnes quel stuff. Ouais, on va rentrer par la fenêtre si on peut.
Je crois qu'on pouvait plus, qu'on pouvait pas par la fenêtre. On peut pas exactement. Hop. Parfait. Alors, fusil d'assaut lourd à la place de ça. Allez. Mais il y a des mecs dans le coin en fait, parce que là, j'étais à une ville. J'étais à une ville quoi en fait. Il y a des mecs dans le coin, c'est obligé, sûr et certain. Là, non, pas là-bas. La bordure en tout cas, elle avance plus, donc bon, ça c'est un petit avantage. Il y a un mec. C'est un petit avantage. Il y a un mec. Hop, 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 hop. Je construis très lentement. Ah, ok, ouais. On peut construire à l'infini comme ça. Aïe, 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 aïe. Il fait de quel côté, putain. Putain! Je ne sais pas où il est. Il peut taper de tous les côtés, apparemment. Mais, hop. Putain, j'ai fait un mur, j'ai fait un plafond trop bas. Ok. Si je fais, j'ai modifié. Et que j'enlève ça. Et ça. Merde. Merde! Non! Confirmé. Ça veut pas l'enlever. Oh, enculé! Putain. Il avait des trucs derrière moi. Putain. Ah, mais, ah, putain, il avait un quad, en plus. Ok, ouais, je comprends mieux. Le mec a un quad, quoi. Ah, là, par contre, là, ouais, là, il va se faire, ah non. Ouais, en fait, il est rapide, quand même, à poser ses construits. Moi, déjà, avec ma connexion, je ne pourrais pas les poser comme ça. Mais même, juste un niveau en dessous, je pourrais pas non plus. Pour le moment, en tout cas, vu que je suis pas du tout un niveau en dessous. Je suis largement moins fort que même, juste ce mec. Alors que peut-être pour vous c'est un mec normal. Voilà. Ça représente mon niveau sur Fortnite en fait. Mais bon, ça, le dites à personne s'il vous plaît. Non, Putain. Je suis vraiment très très mauvais sur Fortnite. Et j'ai pas réussi à faire grand-chose. Oh, bah, je suis quand même pas mal monté en niveau. Donc bon, c'est quand même un peu cool, je suis monté en niveau. Voilà, mais c'est le seul truc qui est vraiment bien. Sinon, d'ailleurs, on n'avait pas regardé les autres achievements qu'il y avait. Les autres défis, vu que là c'est défi quotidien. Il y a, hop, défi. On a événement, non, hebdomadaire. Semaine 1. Visiter tous les camps. Ah bah ça c'est... Oh, fouiller! Avec un fusil à pompe et une arme explosive en une seule partie. Les deux! Hein. Fouiller un des coffres à Retail Row ou Jungle Junction. Ah, ça je peux le faire en fait, c'est... Bon, c'est assez simple ça. Ok, et visiter tous les camps de pirates. Bon, là il faut les trouver. Ah, et du coup, aide de groupe c'est là-dedans, donc là... Si je vais dans... hop, hop, hop. Non, merde, c'est pas ça. Ça doit être retour. Et là, on a quotidien. Élimination au pistolet. Aide de groupe. Remplacer le défi. Possible une fois par jour uniquement. Donc, top 6 en section, logiquement, que je remplace. Voilà. Élimination au fusil d'assaut, ok. C'est un peu plus simple sans doute. Aide de groupe pour le pistolet tout court, parce que déjà le pistolet, l'avoir, ce sera compliqué. Mais juste le fait de tuer un mec avec, ça va être encore plus compliqué. Aide de groupe activée. Les membres de votre groupe peuvent vous aider à accomplir cette action. Bon bah cool. C'est parfait, on pourra faire ça la prochaine fois du coup. Enfin, je ferai peut-être avec un autre défi, celui-là je le finirai entre-temps, je pense. Mais du coup, voilà, du coup, c'est la fin de la vidéo. Donc, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like. Une vue égale un like, c'est important pour le développement de la chaîne. À vous abonner si c'est pas déjà fait. Surtout que vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, mes vidéos, et à ne pas être abonné. Donc, c'est très important.
pour moi, voilà, et pour la chaîne, pour la développer aussi. À partager la vidéo à tous vos amis. Donc ça aussi c'est hyper important, voilà. Si vous l'avez aimé, partagez-la. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Darkbo. Tchuss!